L'Italie n'oublie pas Giulio Regeni à Rome, devant près de 800 000 personnes. Le traditionnel concert du 1er mai a rendu hommage à cet étudiant italien assassiné en Égypte en janvier dernier. Torturé à mort, le jeune homme de 26 ans étudiait au Caire. Son corps a été rapatrié en Italie, mais les circonstances de sa mort restent floues. La presse et des diplomates assurent qu'il a été tué par des membres des services de sécurité, mais l'Égypte dément catégoriquement. Outre ce concert en Italie, une pétition a recueilli plus de 11 000 signatures au Royaume-Uni, où le jeune homme terminait ses études. La pétition a obligé le gouvernement britannique à publier une réponse officielle dans laquelle il exhorte l'Égypte à collaborer étroitement avec Rome.